Eh bien, salut à tous les amis, c'est Warose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le let's play de Far Cry 6. On se retrouve pour l'épisode numéro 30, d'ailleurs, hein, qui... voilà, ça commence à faire un petit peu d'épisodes, hein, quand même. Donc écoutez, on devait, souvenez-vous, au dernier épisode, ramener à notre cause, ou à la cause de Libertad, les héros, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'objectif qui se trouve à 790 mètres. Et puis on va essayer d'aller du coup récupérer les médicaments. Ce qui me semble que c'était des médicaments qu'il fallait qu'on récupère pour la mama en gros. Et suite à ça, normalement, on devrait pouvoir récupérer une entente pour qu'ils puissent venir nous aider tout simplement à vaincre El Presidente. Et suite à ça, et ben, on va voir un peu ce qui se passe. Hop. Normalement, ça devrait le faire en espérant qu'ils ne nous demandent pas autre chose, hein, parce que vous imaginez bien que quand on leur donne la main, ils nous prennent le bras entier, généralement. Donc on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc franchement, en tout cas, comme je l'avais dit au précédent épisode, c'est un village qui est vachement sympa, parce qu'en fait c'est un village qui est vachement reculé, et dans les montagnes et tout. Et c'est vrai que des séquences comme ça dans les jeux vidéo, surtout d'aventure, on n'en a pas énormément, je trouve. En tout cas, j'en vois très rarement. Et c'est vrai que, voilà, quand on regarde un petit peu ici, là, par exemple, on a quand même une vue imprenable sur l'île, quoi. Alors, on n'a pas l'île en entier parce qu'il y a encore tout le bout derrière, mais la vue est belle. Franchement, la vue est belle. Et puis, en plus, là, j'ai mis un pack HD et tout. Donc là, on est vraiment sur du... Le jeu en ultra, et en plus, on a mis un pack HD en plus. Donc là, on peut pas faire mieux, là. Donc, par contre, je vais juste sauter parce que me retaper tout le chemin pour partir en bas, ça va être assez long. Heureusement qu'on se tape pas les arbres comme dans la vraie vie, parce que sinon, on serait mort, je crois. En tout cas, voilà. Du coup, là, on peut voir. Bah, en fait, nous, on vient d'en bas. Et en fait, on a fait tout ça, tac, 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 et on est monté, bah, tout simplement, là-haut. Après, là, je peux pas me retourner, mais en gros, on est monté là-haut. Donc, ça fait un petit parcours, quand même, hein. Mine de rien, ça fait quand même un petit parcours, et j'entends des coups de feu, je crois. Ouais, je crois que ça tire là où on est censé aller, d'ailleurs. Je vais juste récupérer la voiture, normalement, qui se trouve dans ce coin-là. Si je dis pas de bêtises. Zone d'exclusion aérienne. Ouais, bon, je suis en parachute, les mecs. Bébé tigre. T'en es où avec les fournitures médicales? Je suis dessus là. Bah laisse-moi le temps de... Ce que tu peux faire aujourd'hui. Merde. Parce que demain peut vite devenir hier. Et après, c'est trop tard. Tu devrais peut-être faire une petite sieste. Ouais, il est un peu pressé, Donc, bon, bah j'ai plus la voiture. Mais c'est pas grave, on est à 130 mètres. Donc au final, on va pas trop tarder à prendre une nouvelle voiture. Oula. Alors attends, c'est quoi? C'est ennemi? C'est allié? C'est quoi? Je ne vois pas grand chose. C'est sûrement le largage. Quelle merdier. C'est beaucoup trop simple. Tu fais quoi, là? Vous êtes qui? On est la morale. Et LST est notre territoire. Notre territoire, nos marchandises. Ton discours, tu l'as répété. Ouais. C'est la propriété de Libertad. Ah, Libertad. Vous venez nous réclamer de l'aide? Je m'y attendais. On devrait combattre Castillo ensemble. Je fais Run-Run, commandant en second. Bien joué. Je suis Danny. Danny Rojas. Des renforts. Là-bas, près de l'hélico. C'est parti. Ok, on a encore rencontré du monde. Ça, c'est cool. On a... Il y a des nouveaux personnages qu'on commence à voir, là. Ça fait plaisir, parce que pendant longtemps, on a vu personne. Je les vois. Et là... On commence à rencontrer du monde, donc ça c'est plutôt cool. Bon, on va pas se casser la tête trop longtemps. Alors ils sont où les mecs? Ils
prendre la calache, hein. On continue le combat. Oh la grenade. Grenade. Oh. Elle m'a touché celle-là. Hop. On va se retirer. Ça. De la main. Alors. Hop, sacrément en enfer. Hop, je vais juste récupérer ça, voilà. Eh, ils veulent récupérer la marchandise, les mecs, hein. Ok, je crois qu'ils ont réussi à esquiver mon cocktail Molotov, ça c'est chiant. Ok, je vais essayer de récupérer un peu de munitions là, parce que sinon on va vite tomber en rade. Ok, il y a un hélico, parfait. On va le descendre lui. Salut mon pote. Voilà. T'as du talent, Libertad. Mais Yelena a besoin de ça. On a des blessés. Yelena est ton boss? Ouais. Et elle va me botter le cul si je me pointe les mains vides. Et Clara va me botter le mien si je rapporte pas ça aux légendes. Libertad veut les légendes de 67? La moitié de Yara les croit morts. Oh, ils sont bien vivants. Et la moitié de la morale ne leur fait pas confiance. Mais j'ai étudié l'histoire. Ils ont payé de leur sang pour exterminer le père d'Anton. Hey, tu sais quoi? Si tu me laisses le matos, je te les présente. Ah, putain, Yelena va m'étriper. Mais au moins, j'aurais rencontré les légendes avant ça. Bon, Danny, trouve-nous un hélico. Et on parlera affaires. Bienvenue à la morale. Libertad. Si tu veux. Ok, on va essayer d'aller retrouver un petit hélicoptère. On va essayer de leur trouver ça. Ramener un hélicoptère pour transporter les fournitures. Ok, il y a un site aérien à 1000 mètres. Voilà, toi tu meurs. Et ton choix d'Ikram. Hop, on va prendre une voiture. T'as commandé ça? Ouais, merci mon pote. Hop. Alors, il faut que j'aille sur la carte vite fait. Oula, ah, j'ai plusieurs points. Va récupérer les fournitures médicales que transportait l'hélicoptère qui a été abattu, hein. Ok. What? Comment ça se fait? Alors, j'ai des points un peu partout. On va aller là-bas. Ok, c'est à 50 mètres. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est une sorte de petit village à moitié, comme un petit bidon. Enfin, pas un bidonville, mais. Un village assez pauvre quand même. Ah, c'est que moi, je suis pas. Eh oh. Je suis pas un méchant, moi. Ok, un hélico là. Bon.
Zone d'exclusion si aérienne. Ici, ils vont me descendre. Ah d'accord, faudrait que j'aille d'abord... Ok, faut d'abord que j'aille détruire le missile anti-aérien. Ok. C'est pour ça en fait qu'il m'a mis le point là-bas directement. Très bien, très bien. On va juste récupérer d'abord la relique. Fais attention, Danny. Un hélicoptère ennemi patrouille dans le coin. Alors vaudra mieux pas être en dessous quand je l'abattrai. Merci, Oluwas. Hop, voilà. Nickel. Ouais, donc il y a un hélicoptère qui patrouille. Il est où? Je l'entends, mais je sais pas où il est. Bon. On va d'abord aller détruire le missile anti-aérien, comme ça au moins on est tranquille. Ah oui, je suis en plein dedans en plus. Ok. Enfin, je suis pas en plein dedans, mais disons que on est dans le cercle. En soi, il y aurait eu que ça. J'aurais pu prendre quand même l'hélicoptère, mais là. Les missiles anti-aériens, c'est vraiment cheaté parce que ils te tirent dessus, tu peux faire une esquive, mais après. Après, c'est mort quoi. Donc écoutez! Ah bah attendez, il y a un point de contrôle là, non? Ah non, pas du tout. Ok, je croyais. Du coup, bah écoutez, on est à 1300 mètres. Ce qu'on va faire, c'est que. Je vais. Y aller tranquillement et puis on se retrouve directement là-bas. A tout de suite. Ok, alors avant, il y a un petit point de contrôle ici là qu'on va. Qu'on va récupérer. C'est un poste de contrôle, excusez-moi. L'alarme elle est juste derrière. L'alarme elle est juste derrière donc. Hop, il me voit pas. Hein. Il ne me voit pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste détruire l'alarme. Et puis après, on va. On va se charger d'eux. Hein. Est-ce que. Je peux avoir une visu de l'alarme. Ok, là j'ai un camion. Ah, ils l'ont caché l'alarme. Ah, mais non, en fait, elle est là-bas. Mais. Ah, je pensais que c'était ça, moi. Alors, attendez. Neutralisons l'alarme. Ah, voilà. Ça, c'est good. Mais attendez, ça, c'est pas une alarme, ça aussi? Bah, à première vue, non. Je l'ai pas vu lui. Ferme là. Juste les fouiller. Il y a un corps ici. Hop, il y a un truc qui crame aussi là-bas. La petite poule. Voilà. Bon, on l'a fait en full discrétion. Ça, c'est franchement, les scènes comme ça, c'est pas mal du tout parce que bah, quand c'est discret, c'est... Tu sais, quand c'est de la faire en mode infiltration et tout, c'est carrément plus stylé, quoi. Parce que tu pourrais foncer dans le tas et tout, mais bon, c'est moins... Tu vois, il y a moins de pression. Donc ça a pas le même charme, on va dire. Cool, en plus, on a récupéré un buggy. Alors ça fait plaisir. J'essaie de récupérer ce qu'il y a à récupérer. On a du métal. Ouais, j'arrive. Hop, FND... Oh, le camion a fait un truc chelou. Bon. Ouais, l'autre, il y avait une information pour moi, mais je crois que ça, c'est pour faire une mission secondaire ou je sais pas trop, donc ça m'intéresse pas tellement, en vrai. Hop, moi, j'ai récupéré ça. Bon, le buggy, finalement, je vais pas le prendre parce que j'ai la voiture qu'elle a, et puis en plus, j'ai mitraillé tout dessus, donc ça, c'est bien. Ok, on est à 80 mètres. Hop. Donc là, on a... En plus, on a un hélico directement là, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oh merde, je me suis un peu trop rapproché, je crois. Putain,
crame toi, parce que là je dois m'occuper de tes potes, excuse-moi. Mais où est-ce que... Ça c'est mon hélico ça. Hop, on va détruire ça avant. Voilà, espace aérien dégagé. Ouh là là. Attends, mais il y a plus de monde que ce que je croyais là. J'arrive pas à le toucher le mec. Alors check, t'es dans ce flamme là. Casse-toi de là. Voilà. Ah, il avait réussi à prendre l'hélico le mec. Ah merde. Ça on va le prendre. Uranium appauvri. What? Ok, ça a explosé un petit peu là. On va aller là-bas. Je vais voir ce qu'il y a à prendre. Ok, récupérer de l'essence. Ça, on va récupérer. Ça, on va lire. Avis de mauvais résultats à tout le personnel du site aérien anti-aérien Zeta. Votre incompétence a été remarquée. Le faible quota d'appareils abattus par ce site est inadmissible. Il témoigne d'un laxisme flagrant qui compromet la sécurité d'Yara et d'un manque criant de patriotisme. Entre les espions étrangers, les intrus isolés et les parias en cavale, sans oublier les oiseaux marins, votre quota devrait être beaucoup plus élevé. Veillez à ce que votre matériel soit correctement calibré, ce sera le seul avertissement. Signé Amiral Benitez. Ok. Les mecs, ils ont carrément un quota et tout à respecter. Il faut qu'ils tuent quoi, les mecs. Faut qu'ils tuent. Si tu passes, c'est pas bon. Ok, on va prendre ça, des petites poubelles. Bon, bah finalement, j'ai pas pu récupérer l'hélicoptère, donc je suis assez dégoûté parce qu'il va falloir que je me tape de la route pour y aller. Ouais, alors attendez. Du coup, la carte. Tac. On va aller là-bas. Parce que ici, je crois qu'il n'y avait pas spécialement de problème. Chantier naval de Sureno. On va aller là-bas après. Quand on aura fait la mission principale. Comme ça, on va pouvoir aller libérer le chantier naval. Donc écoutez, on fait la route et puis on se retrouve là-bas directement. A tout de suite. Ok, on est à 130 mètres. Donc là, on va aller récupérer du coup l'hélicoptère. Quelque chose à savoir sur Bariga? Ah ouais, les habitants sont sympas. Du moins, ils l'étaient la dernière fois que j'y suis allé. C'était quand? En 96. Je vis à LST, mais je passe pas mon temps à m'y promener non plus. Oh, il y a un largage ici, attendez, on va le prendre. On va prendre le largage parce que ça, c'est vraiment très intéressant à prendre. Merde. Oh là, j'ai coupé un arbre avec l'hélice. Oh le délire. Alors attendez, on va se poser. Ouais, on va prendre le largage parce que ça c'est vraiment très intéressant à prendre. Alors je voudrais juste pas qu'il me détruise l'hélicoptère parce que ça va être relou. Toi le chien là, on va te faire enculer. Voilà. Alors, voilà la cargaison larguée. On va voir ce qu'il y a dedans. Parce que ça, il y a vraiment énormément de trucs intéressants dedans. Donc c'est vraiment, vraiment pas négligeable à récupérer. Dracanon.
Catalyseur de Supremo. Alors, je voudrais voir si on peut pas, d'ailleurs, en parlant de ça, je voudrais voir si on peut pas faire un truc avec les catalyseurs de Supremo. À savoir, peut-être des nouveaux Supremo ou quoi. Parce que c'est vrai que. Bah, j'ai gardé celui-là depuis le début, mais. Alors, en plus, c'est le meilleur. Hein. J'ai essayé celui-là à IEM. Bon, le catalyseur à IEM, il est bien, mais. Mais disons que. Que c'est pas non plus le meilleur. Et puis après, il y en avait d'autres aussi, mais bon, c'était pas ouf, quoi. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir un petit peu ce qu'il y a. Bah, si on peut pas en refaire, quoi, tout simplement. Ok, on a déjà des forces alliées qui sont sur place. Ah bah oui, mais c'est. Ok. Ils sont en train de chuter. Je te vois, Ronron. Putain de merde. Tous les soldats d'Yara te voient. Allez, on y va. Danny, tu as le matériel. Oh putain, El Tigre, le point de la révolution. Vous devez signer mon froc. Comment se llama, señorita? Ron. Ah. Je suis de la morale. Oh. La morale? Des terroristes. Ron, je te présente... Oh, je sais très bien qui c'est. Et je crois que c'est Guerrilleros, le mot qu'il cherche. Je sais ce que je dis. Vous n'êtes qu'un vulgaire gang. Mais nous, au moins, on se cache pas dans les montagnes pendant que le monde s'effondre. Vous avez vu ce qui se passe en bas? Allez visiter un complexe de Biovida. Allez, faites-le. Les légendes ne reçoivent pas d'ordre d'anarchistes, compris? Arrête, Lorenzo. Non, vous savez quoi? Niquez-vous! La morale garde le matos, grand-père. C'est notre évolution, pas la vôtre. Un fermier innocent s'est pris une balle perdue aujourd'hui. Il est touché à l'abdomen. Sans ce matériel, il n'a aucune chance de survivre. Lucky Mama? Beaucoup de balles que j'extrais proviennent de la morale. Il y a une différence entre jouer avec des armes et faire la révolution. El Tigre? Si. Ils aiment donner des leçons. Si ces débris veulent se planquer dans leur musée, tant pis pour eux. On s'en fout. Mais je vais leur prendre des souvenirs. Viens me parler quand tu pourras. Ouais, ouais, ils sont pas très très contents. Hein. Bah après, c'est vrai que les... entre la morale et puis le deuxième groupe, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y en a un qui se cache, l'autre qui fait la révolution, etc. Donc, bon... C'est pas facile. Alors, j'ai deux points. J'ai deux points. La preuve en image. Donc, personne ne sait vraiment ce qui se passe entre les murs de ce complexe. Biovida. Si Ron dit vrai et que le régime de Castillo inflige un traitement atroce aux parias, débrouille-toi pour en faire des photos et va les montrer à Lorenzo. Libertad devrait laisser tomber les légendes de 67 et s'associer à la morale. À la morale. Nous, on veut vraiment débarrasser L'Est de Castillo. Mais d'abord, il faudra parler à notre chef. On va se faire celle-ci comme mission. D'ailleurs, attendez, c'est laquelle? Parce que du coup... Ouais, j'ai envie de continuer un petit peu avec eux quand même. On va d'abord se faire la mission de la meuf, là. Et ensuite, on fera l'autre. Parce que j'ai vraiment envie de continuer avec eux, là. Ça a l'air d'être intéressant. Quand je pense que je les admirais, ces fossiles. Perds pas ton temps. On libérera LST avec ou sans eux. Il faut que tu parles à ma boss, Yelena, et que tu vois notre opération de près. Passe par El Agurero. C'est le putain de QG de la morale à Concepcion. Donne ce mot de passe à notre portier. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Ok, on va se faire ça. Je vais dire à Yelena que t'es en route. On va prendre un hélico. Oh, j'ai même un avion. Ah, j'ai même un nouvel avion d'ailleurs. What? Oh, mais c'est stylé, regardez le. Oh, le truc de fou! Ah, mais après, si je prends un avion, je pourrais pas atterrir vraiment comme je veux, quoi. Donc, on va plutôt prendre un hélico parce que l'hélico, moi, je peux le garder. Un avion à garder, c'est un peu plus. Hein, un peu plus compliqué. Et puis là, maintenant qu'on a plus les. Qu'on a plus le missile anti-aérien des FND, là, du coup, on est plus tranquille.
Putain, juste prendre un petit instant pour regarder un petit peu autour là. C'est quand même incroyable, hein. Là-bas, il y a un bateau, par contre, je sais pas c'est quoi comme bateau. Je sais pas si on est déjà été à ce bateau-là, mais Oh. Alerte au pilote. Posez-vous ou nous ouvrirons le feu. Oh oh, il y a encore une zone d'exclusion en fait ici. Ah ça par contre c'est chiant. Ah ouais, la zone d'exclusion elle est là-bas. Ah ouais, et puis moi faut que j'aille là-bas. Ok, on va essayer de contourner le rond au pire. Il y a un bâtiment en bas, je sais pas ce que c'est. Par contre il m'intéresse vraiment parce que il a une... on croirait presque un hôpital le truc. Est-ce qu'il est dans la zone d'exclusion ou pas? Il a pas l'air d'être dans la zone d'exclusion. Donc déjà c'est plutôt bon signe. Ah, c'est un truc... Attendez, on va prendre un petit, on va prendre une petite minute là, on va aller là-dedans vite fait. J'ai bien envie de voir ce qu'il y a dedans là. Archives militaires de la Costa Vacchia. Ah, ça peut être intéressant. On va se faire un... Oui. C'est pour. On va se faire un petit tour là-dedans là. Ok, il y a des ennemis en bas. Je crois qu'il y en a pas là. Non, c'est bon. Ok. Alors, là, j'ai... Hop. Un bidon d'essence qu'on va récupérer. J'ai un bidon d'essence qu'on va récupérer. Bah, en fait, il n'y a pas d'ennemis, je crois. En tout cas, j'ai pas l'impression. Hop, des médocs. Bon. Alors, par contre, là, je suis armé. Bon, pour ma vue, c'est pas activé. J'ai envie de dire presque tant mieux d'ailleurs. Ok. Alors là-dedans je peux pas y aller. Là-dedans je peux pas y aller, là-dedans non plus. Sur une douce PC Siaran. Parfait. Bah y a strictement personne. Par contre j'aime beaucoup cette partie de l'île, elle est vachement sympa. What? Ah non c'est bon. Je croyais que c'était fermé à clé. Ok. Hop. Bon, on récupère un peu tout. Hein. Par contre, ouais, vraiment, je sais pas du tout où il faut aller pour le coup. Peut-être les ascenseurs, non? Non, les ascenseurs marchent pas. Ah, attendez, j'ai un étage ici. On va aller là. Hop. Un petit joint résistant. De la poudre à canon. On peut rentrer là-dedans? Non, on peut pas. Ouais. Bah alors là, je sais pas trop là. Peut-être que c'est... Peut-être qu'il y a pas encore un truc... Enfin, peut-être qu'il y aura un truc à faire ici, mais plus tard, hein, parce que là... Ok. Bah ouais, parce que là, il y a pas grand-chose hein, à première vue. Hein. Dommage, j'aurais bien aimé voir s'il y avait pas des petites infos à récupérer sur le président ou quoi. Mais bon, là, à première vue, on peut pas. On peut pas récupérer la moindre info. Donc, je pense que ce bâtiment-là, il va être utilisé pour une prochaine mission. Possiblement que non, mais je sais pas. Il me paraît intéressant. Et il y a moyen que ouais, il soit utile pour une future mission. Hop. Bon, en tout cas, on a récupéré pas mal de trucs. Donc ça fait plaisir. Là-bas, j'ai encore un bâtiment aussi, une petite ruine. Hop, alors pour monter, donc là il nous reste 2000 mètres, par contre je peux plus monter. Oh le boulet, oh les gars je peux plus monter. Il y a un poste de contrôle là-bas, on va y aller.
Ah putain, je peux plus monter par contre. Alors ça c'est relou parce que j'ai plus d'hélico. Hop, je vais juste aller libérer vite fait ce poste de contrôle. Et comme ça au moins on aura encore une frontière de libérer. Faut que je trouve l'alarme. Faut que je trouve l'alarme. Ok, reste sur tes gardes. Oubliez les renforts, salopard. Ok, les renforts c'est mort. Fermez là. Hop, la clé. Carte d'accès du poste de contrôle Costa Vanca Nord. Vas-y, montre-toi ma poule. Oh, il est derrière le truc là, du coup je peux pas l'avoir. C'est le... Ce serait pas le dernier d'ailleurs. Oh. Bon, voilà. Et j'avais le panneau, voilà. Ça, on va le cramer. Voilà, nickel. Ok, alors ça, c'est fait. On va juste récupérer... bon, ça, du coup, on l'a déjà récupéré. Hop, on va juste prendre ça. Arc à poulie. Ah, intéressant. Encore une nouvelle info. Hop. Bon, allez, il nous reste 1800 mètres. On va y aller. Et puis, on va aller continuer un petit peu la mission. Ok, on a encore un poste de contrôle. On va le libérer. Je commence à fatiguer. Et il y en avait encore un autre dans le coin là-bas, je crois. Ah ouais, il est là. Ah, du coup, ils m'ont grave aidé. Faut me couvrir! Je recharge! Dépêche-toi! Ils m'ont grave aidé, les mecs! Hop, on va prendre ça. On va prendre ça. Ça a pété, hein. Hop, ok. Ouais bah écoutez, c'est good. On va pouvoir reprendre la route. Ferme là. T'es plus chez toi ici, hein. Ok. Juste le réparer vite fait. Voilà. Allez, let's go. Ok, on y est. Où se trouve la morale? Je t'envoie une photo. Garde-la pour toi. À quoi ça va me servir? Ça t'aidera à trouver la porte. N'oublie pas le mot de passe. Ni le couvre-feu.
Ok, on va voir un peu la photo. Ok. Je crois que ça va être derrière. Ouais, je crois que ça va être derrière. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de drapeaux là partout. Donc là, on voit en fait le sorte de mirador là. Et en gros, ça voudrait dire que pour moi, les développeurs, pour rajouter un petit peu plus de difficulté, ils ont dû mettre le truc à l'inverse, genre. Ah, pour moi, ce serait peut-être là. Non, il n'y a pas de porte. Non, pitié ! Encore ce bruit. Hop. Voilà, mon ami. Ah bah écoute, je t'ai sauvé hein. Alors ouais. C'est fini. Ah bah c'est là. Non, c'est même pas là. Ah, c'est là. Ok. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Bienvenue à El Agujero. Tiens-toi, Caro, ou je t'arrache la tête pour jouer au foot avec. Sympa, l'accueil. Je m'appelle Danny. Alfredo. En bas de l'escalier. Ok. Merci, mon pote. Alors, utiliser l'établi. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, rechargement total. Lorsque vous rechargez cette arme, vous rechargez toutes les armes. Ok. Faudrait canon 22, cercle industriel 8, il m'en faut 3. Chance de récupérer de la santé en infligeant des dégâts. Ok. Petit rafraîchissement. Réduit le temps de refroidissement des silencieux. Augmente les dégâts des armes contre les ennemis en contrebas. Augmente la vitesse de dégainage et de rangement de l'arme. Augmente la vitesse de remplacement d'un chargeur entamé. Ok. Tuer un ennemi avec un tir dans la tête génère une charge de supremo supplémentaire. Ça, c'est plutôt intéressant. On va le prendre, ouais. Hop. Ok, là, j'ai des petits pendentifs. Ah, c'est sympa, on va pas se cacher. Je vais garder ma petite météorite parce que elle est carrément stylée. Alors, pointeur laser, bricolé 2. Réduit considérablement la dispersion des balles lorsque vous tirez au jugé. Ouais, bah celui-là que j'ai déjà, il est pas mal, hein. En vrai, silencieux cylindrique. Silencieux rectangulaire. Réduit légèrement le bruit de l'arme, réduit considérablement sa portée effective, surchauffe lentement. Ouais, bon, on va rester comme ça pour l'instant. Et au niveau du supremo. Ouais, bah, de toute façon, je peux pas faire grand-chose. Ah si, peut-être que je peux faire des améliorations, non? Emplacement de supremo. Cadence de soins, augmente légèrement la régénération de la santé. Tireur d'élite, tuer un ennemi avec un tir dans la tête génère une charge de supremo supplémentaire. Oui, ça c'est le truc que j'avais fait, ok. Ok. La deuxième arme. On va prendre celui-là, tiens.
Parce que le premier, il surchauffe trop vite, genre. Donc là, au moins, on sera plus ou moins tranquille. Et la troisième arme, c'est le sniper. Et donc le snipe, qu'est-ce qu'on a comme silencieux américain, surchauffe très rapidement. Ah, j'ai pas assez de circuit industriel, merde. Lunette améliorée, lunette avec grossissement 3x3x6 permet de retenir son souffle. Ah, on peut peut-être se tester celui-là, hein. On va se tester celui-là, tiens, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après j'ai d'autres snipers aussi, mais ouais, faudrait que je voie MBP50. On va essayer celui-là, les gars. On va installer ça. On va installer ça. Oui, il me paraît pas mal, celui-là. En vrai. Ah, mais j'ai pas de circuit industriel aussi. Frein de bouche large. Silencieux classique XL. Ah, mais j'avoue, c'est un silencieux, il en faut un. Hein. Sinon, au sniper, t'es fini. Viseur incliné. Viseur latéral. Ouais. Ouais, bon, ça me sert pas à grand-chose, en vrai. Et ça, c'est un viseur laser. Réduit la dispersion des balles lorsque vous tirez au jugé. Réduit légèrement la dispersion des balles lorsque vous tirez au jugé, ouais, ok. Bon, écoutez, on va se prendre ça, hein. Motif. Alors, coup de pression. Augmente les dégâts des armes contre les ennemis dont la santé est basse. Rechargement rapide, augmente les vitesses de rechargement, augmente la taille du chargeur. Réduit le temps de refroidissement des silencieux. Ah, ça, ce serait bien, ça. Doigt de fée, augmente la vitesse de déplacement, de remplacement d'un chargeur entamé. Augmente les dégâts des armes contre les ennemis contrebas. Augmente la vitesse de déplacement lorsque vous visez. Ah, ça peut être bien. Hein. On va se prendre ça et puis en deuxième, on va se prendre celui-là. Ah, quoique, en vrai, au sniper, ça sert peut-être pas à grand-chose. Hein. Parce qu'au sniper, on n'est pas censé tirer à balle tout le temps. Donc, on va plutôt prendre la tête du chargeur. Ça va être plus intéressant. Ok, donc là on a plusieurs apparences. On a le noir, le gris et le vert. J'avoue que... Bon, l'or, on l'a déjà sur un sniper, donc on va pas prendre ça. Tyranno. Ah, par contre lui il est stylé. Il y a soit lui, soit lui. J'avoue que le Tyranno, il est ultra stylé. On va même prendre les deux, tiens. Vous savez quoi? Hop, on va prendre... Bon, je vais l'équiper avec celui-là, mais en vrai les deux ils sont super stylés. Et... En pendentif, on va prendre... Ah, je fais vraiment les choses à fond, les gars, hein, je vous le dis. Bon, je crois qu'il est un peu moins puissant que l'autre, mais on va essayer de voir ce que ça donne comme ça. Au moins, ça change un petit peu aussi, parce que c'est vrai qu'on a... Bah, j'ai longtemps gardé les mêmes armes, donc là, on va essayer de changer un petit peu. J'ai besoin de 6 volontaires. Je demande à mon groupe, mon chou. Les gangs de Jorge et Anna doivent être à bord. C'est toi, Yelena ? Merde. Dani, c'est ça? Où sont mes médocs? Les médocs de Libertad? Je les ai donnés aux légendes. Non, tu les as refilés à des vieux qui font dans leur couche tout en haut d'une montagne. Ça va t'apporter quoi d'après toi? Il faudra plus que des balles et des soldats pour tuer Castillo. Que ça te plaise ou non, les Yaran aiment les légendes. Clara Garcia aime la politique. Bon courage pour bouger le cul des ancêtres. La morale peut nous aider. Tu sais pourquoi Clara ne t'a pas parlé de nous? Parce que pour elle, on n'est qu'une bande de gamins avec des flingues. Elle adore discuter d'un bel avenir, mais c'est son avenir, pas le nôtre. Clara, c'est juste un Castillo sans une bite. Donc t'as un meilleur plan pour Yara? D'abord on tire, après on discute. Tu dis que t'as besoin de volontaires? L'amiral Benitez nous a attaqués il y a quelques heures. Elle tient mes camarades en otage sur un cargo. Alors j'y vais. En solo? Je pige pas. Comme ça, on sera quitte pour les médocs. Sauve mes amis et on en reparle. Mm-hmm. Ok, sauver les otages. Eh ben écoutez, on est parti. On va visiter un petit peu. Hop, on va récupérer 2-3 matos parce que... On a quand même fait un petit peu de dépenses, là. Monte à l'étage, on te dira comment t'y rendre. Mais fais vite, on n'a pas beaucoup de temps. Hop. Tac, tac, tac. Ah oui, ils sont quand même bien équipés, hein. Et les mecs, ils sont au sous-sol, quoi. Un truc de fou. Trop stylé. Hop. Lettre tombée. Bonne nouvelle. J'ai enfin quitté ce foutu site anti-aérien. Je te retrouve à l'usine dans une semaine. Ok. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on est bon. On va aller là-haut, on va aller retrouver les gars. Vraiment? Libertad? Merde alors. C'est toi qui aides nos camarades? Voilà, c'est ça. Je connais un fermier avec un hélicoptère qui peut t'emmener au bateau. Suis-moi. Parfait, let's go.
juste récupérer des médocs. Prends le vieux Girasol. Sois sympa avec lui. Doucement. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas monté en cheval, les gars. Qu'on n'est pas monté à cheval, excusez-moi. Dodo, t'es avec Libertad ? C'est le cas. Je crois que ce serait pas mal qu'on bosse ensemble. Ah ouais ? On se bat et on gagne souvent. Mais l'amiral Benitez aura toujours un coup d'avance sur nous. Si on tue un soldat, dès le lendemain, ils en ramènent trois. Et quand les membres de la morale meurent, personne les remplace ? Non, personne. En plus, les fermiers et les gens d'ici veulent juste survivre, pas se battre. Je me serais bien arrêté là-bas, mais je pense que lui, il va continuer, donc... Et les légendes, ils peuvent pas nous rejoindre ? On va essayer. On va continuer. Aucun de ces vieux veut se battre. Il paraît même que beaucoup soutiennent Castillo. T'as mal compris. Peut-être, mais je vois aucun de ces vieillards se battre. Je m'occupe de ça. Et comment ces paysans ont pu avoir un hélicoptère ? Ils l'ont construit avec les pièces de ceux qu'on a descendus. Carrément. Les fermiers sont tous de notre côté, je te le garantis. Et les autres paysans, non ? Ça dépend. Certains sont avec Castillo. Tu penses qu'on peut les rallier à notre cause ? On va avoir besoin d'eux. C'est le seul moyen... Oh, ils ont un sacré hélico, hein ! Bah, c'est un hélico de... DFND, remanié. Tu nous fais une bonne pub, Danny. Comme on dit. On y est. Voilà l'hélicoptère. Hey. Hey. Hop, je vais reprendre ça. C'est quoi ? Des noix de coco ? Ah ouais, c'est des noix de coco. Hop, juste récupérer de l'essence. Bon, en vrai, l'essence, je sais pas à quoi ça sert. J'ai jamais utilisé la commande pour l'essence. Ok. Ah, si j'ai... Le truc ici, là. Hop, hop. Notre pays a besoin de conseils, de patience et de quelqu'un qui fixe les limites. Ok. T'es avec la morale ? Impossible. Je suis le seul à pouvoir faire décoller ce bébé. Je peux pas abîmer ce coucou. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire du coup là ? Yelena vient d'appeler. Je t'emmène au bateau ? Ah, c'est lui ! Ah, c'est lui qui m'emmène, ok. Bon, et conduis bien, nous fais pas, enfin pilote bien, nous fais pas cracher s'il te plaît. Je m'appelle Calixto. Ah ! Faire attention et voler très bas. Je t'emmène aussi près que possible. OK, en fait, je pense qu'il parle du bateau qu'on avait vu à gauche là. Pilote il y a 2 ans. Je me suis fait renvoyer pour avoir traité un capitaine d'enfoiré. Moi, je me suis fait virer de l'armée de terre parce que j'ai frappé mon sergent instructeur. Voyez-vous ça ? On s'est jamais croisé. T'as rejoint la morale quand ? Attends, on m'a dit que t'étais de la morale. Je leur rends service. Je suis de Libertad. Parle-moi un peu de la morale. Bon, je crois qu'il veut pas me parler de la morale. Là, il a fait... Ah, Libertad, non, c'est bon, je vais rien dire, j'ai rien à ajouter. On l'appelle Maldito. C'est son vrai nom ? Ouais, un Espagnol l'a baptisé comme ça en 1400 et quelques. Il y a quelques mois de ça, l'amiral Benitez a rendu la navigation et la pêche illégales. Les gens ont protesté. Benitez a exécuté la moitié des habitants. Tu sais ce que la morale a fait ? Donc on va savoir à quoi sert le bateau du coup. Et assassiné chaque soldat ayant pris part à l'exécution. Et je parle pas d'embuscade dans la jungle façon guérilleros. Non. Ils les ont suivis jusque chez eux et égorgés pendant leur sommeil. De vrais commandos. Ils sont intelligents, coordonnés et sans pitié. Je veux bien te croire. Ok. Intéressant tout ça. Ah mais attendez, mais en fait il y a... C'est lequel ? C'est ce bateau là ou ce bateau ? Voilà la passe de Chaube. Ou le bateau là-bas. On surveille les convois militaires qui passent par là et on en informe la morale. Ils ont l'air plutôt bien organisés. T'as même pas idée. Yelena est encore plus méthodique que les militaires. La morale est là pour nous. Quand les soldats de l'amiral Benitez ont commencé à malmener nos familles, la morale a riposté. Ils tuaient tous les soldats qui entraient sur nos terres. Ça les a vite dissuadés. Ok. Donc je pense que ça va être ce bateau-là parce qu'on s'approche de lui. Il y en a un autre là-bas aussi, là, mais à mon avis, ça va être lui. Voilà le bateau. Je peux pas t'emmener plus près. C'est super.
Ok, je pense qu'on va sauter. Amigo. Bonne chance pour ton sauvetage. Allez, ciao. Ça c'est stylé aussi comme mission. Alors, on va essayer de se la faire en mode infiltration. Je sais pas où je vais atterrir, je vais essayer d'atterrir quelque part où je me ferai pas repérer. On va essayer d'atterrir là, tiens, il y a une petite cheminée. Aïe. Merde. Bon, bah finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Ok, finalement je crois que j'ai pas plus à tirer attention que ça. Donc c'est déjà une bonne chose, on a niqué une alarme, il y en a encore une qu'il va falloir qu'on détruise. Oh, drapeau du Canada. Truc de fou. Un clin d'œil, parce qu'il faut savoir c'est que bah les développeurs de Far Cry sont des développeurs canadiens, hein. À savoir, il y a des bureaux à Montréal et à Toronto, je crois. Montréal, Toronto, j'en suis sûr, mais je crois qu'il y en a encore d'autres, mais je sais pas où. Ça, c'était pour la petite anecdote. Ok, blackout. Non ? Ok. Tous les systèmes de sécurité sont désactivés. Parfait. Aïe. Ah, comme j'ai horreur quand vous faites ça là. Ok, on va les libérer. Allez, pas de venez. Yelena, je suis à bord. J'en ai libéré autant que possible. Tiens bon, je t'envoie des bateaux et du renfort. Gracias. Ah, bouge de là, toi. Amiral Benitez, aux terroristes qui font la honte de Yara, vous êtes pris au piège. Au moment même où je vous parle, mes troupes convergent vers votre position. Comment ils savent que... Et de contempler une dernière fois cette nation qui ne veut pas de vous. Au lieu de servir paisiblement Yara, ah ouais, même en colère. Vous allez mourir. Ici. Et maintenant. Ah ok, y a un bombardement, ok, d'accord. Il est l'autre. Ouais, t'es bugué, ma soeur. Qui est là? Faut pas rester là. Ouais. Je vais aller prendre l'hélico, du coup, je pense, hein. Il y a un hélico, je crois, qui est là-haut, là. On va aller le prendre. Ah oui, j'avais pas capté... Oh, excusez-moi, j'ai mis un petit coup sur le micro, désolé. Ok, allez, let's go, on se casse. Retourner dans la zone de combat. Ah ok, merde, faut pas que je la quitte. Ok, ok. On va y retourner alors. Par contre, le bateau là il prend cher, non ?
Oh, il a assez esquivé. Défendez les guerriers de la morale. Ah oui, ça j'avais pas vu ça moi. Ok. Moi je partais pour partir moi. Franchement, j'étais pas du tout là en mode. Où sont les bateaux, Yelena? Ils attendent que tu dégages l'espace aérien. Quelqu'un peut dire à ces avions d'arrêter de bouger? J'aurais dû appeler plus tôt. Les bateaux seront là d'une minute à l'autre. Continue comme ça, Libertad. Attends, il faut que je répare un peu l'hélico là parce que je crois qu'il est mal en point. Non ! Je l'ai réparé. Ah bah je crois qu'il est réparé. J'ai fait mourir. Mais non ! Putain, mais moi je comprends pas. Depuis quand je prends feu, y a même pas de feu à côté de moi, frère. C'est en dessous. Putain. C'est vraiment la mort stupide, quoi. Merde, j'aurais dû appeler plus tôt. Oh oh. Continue comme ça, Libertad. Ok, on va aller au bateau. Attendez, je suis là. C'est bon, on peut partir. Hop. Là pour l'instant y'a personne. Ça c'est un pote ça, merde. Ah voilà. Ça par contre c'est pas un pote. Hop, du métal. J'ai pas capté d'où je me faisais tirer dessus. Ah d'accord, y'a des mecs qui viennent à la nage. Opération terminée, nouvelle révolution. Yelena, c'est bon. Ils sont sains et saufs. On m'a dit. Alors, est-ce qu'on est quitte? Putain oui. T'as besoin d'autre chose? Il faut que je parle à Gilberto, mais t'auras de mes nouvelles. T'as mon numéro. Merci. Tu te débrouilles bien, Danny. Mais fais attention à toi. Si l'amiral Benitez n'avait pas encore entendu parler de toi, c'est fait. Bienvenue à LST, le vrai.
Danny, comment va ma légende? Bandelage bien trop vite, on dirait. Je vais retourner à leur camp, voir ce que je peux faire d'autre. J'ai jamais dit que ce serait facile, mais c'est une cause juste. Cognon. Il a dû se passer. Ok. Bon bah écoutez, on n'est pas trop mal. On va s'arrêter là les amis, parce que là on est quand même, je pense, peut-être pas une petite heure, mais je pense qu'on a quand même bien avancé sur l'histoire. Donc écoutez, bah, j'espère que l'épisode numéro 30 vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime et le petit commentaire qui fait plaisir. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.